Et voilà, c'était la dernière boîte. C'est définitivement le temps que je me débarrasse de toutes ces vieilleries. T'es certaine de pas vouloir garder ta vieille collection de disques? Certaine! Alors je te débarrasse de tout ça. Merci d'avoir m'aider, t'es fin Antoine. T'aides des tas de gens tous les jours, je te dois bien ça. Franchement, c'est mon métier, c'est pas pareil. Bye. Famille Marchand. Ça doit être tombé d'une boîte qui venait de grenier. Date de décès, 2 mars 1921. Madame E. Marchand et Monsieur E. Marchand ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver en leur enfant Mathilde Marchand, fille, morte tragiquement de suffocation dans un coffre lorsqu'elle jouait avec sa sœur. C'est horrible! 'Vu le fantôme de Mathilde Marchand. Était-ce un rêve ou la réalité? Elle avait l'air terrorisée. Elle me tendait la main comme si elle voulait que je l'aide. Mais est-ce que je dois l'aider? Est-ce que j'ai le pouvoir de l'aider? Moi? Une petite travailleuse sociale? Peut-être que je perds mon temps. Elle est pas là!
Il faut la trouver et s'en débarrasser maintenant, avant que le diable prenne notre âme aussi. Parle-moi du homicide. Tu vas attirer le malheur. Tu sais aussi bien que moi, cette affaire-là, c'est pas notre fille. Là, il a pris son corps. Ça a écrit son de pire en pire. Elle est si gentille, puis tout d'un coup, elle vient comme possédée. Si on n'agit pas maintenant, il va être trop tard. Oh mon Dieu! Pardonne-nous! Mathilde est clairement atteinte d'un trouble de la bipolarité. Son humeur changeante et son comportement incohérent sont la preuve. Cette pauvre enfant incomprise a été tuée par ses parents. Je dois la délivrer de cette haine. Je peux la délivrer. Mais comment? Je sais ce qui t'est arrivé, Mathilde. C'est horrible, mais à cette époque, on comprenait pas les troubles de la personnalité comme aujourd'hui. Je peux t'aider. Je suis certaine que tes parents t'aimaient beaucoup. J'aurais jamais dû me mêler de cette histoire-là. Mais c'est terminé maintenant. Mathilde est partie. Elle est libérée.